Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus est quelque chose que l'on entend régulièrement, sans pour autant jauger la portée réelle de cette différence. En effet, les problèmes de communication entre les sexes opposés sont généralement provoqués par cette fameuse dissemblance, qu'elle soit corporelle ou psychologique. Certaines choses évidentes pour le sexe féminin ne le seront pas forcément pour le sexe masculin, car nous n'appréhendons pas les événements de la même manière et nous nous exprimons différemment. C'est pour cette raison que nous avons souvent du mal à comprendre ce qui se cache entre les lignes de ce que nous dit notre partenaire, ce qu'il souhaite extérioriser et ce qu'il pense. Alors selon le sexologue Marty Klein, auteur du livre « Développer votre QI sexuel », voici les 5 choses que votre homme aimerait que vous sachiez mais qu'il ne vous dira jamais concrètement, les 5 choses. Votre homme aimerait que vous sachiez, 1. Il veut vous plaire. Un homme se préoccupe du plaisir de sa partenaire même s'il ne le montre pas toujours explicitement. En effet, il ressent le besoin de satisfaire sa compagne en lui plaisant continuellement et surtout au lit. Sa propre expérience après un rapport sexuel est affectée par celle de sa partenaire. Votre Jules a donc besoin de savoir ce qu'il doit améliorer ou non afin de vous plaire. N'hésitez pas à lui faire part de vos goûts et de vos attentes au niveau physique et mental et de le complimenter. Toutefois, n'essayez pas de le changer, vous devez seulement partager vos goûts en n'oubliant pas que vous l'acceptez avec ses défauts et ses qualités. 2. Il veut plus de contact physique. Toutes les personnes n'ont pas la même notion de ce qu'est le sexe. Mais la majorité des hommes apprécient de toucher leur compagne et d'être touchés car les sentiments font que l'on aime offrir des caresses et en recevoir. En effet, un homme prend du plaisir à caresser sa partenaire, cela entretient la confiance et crée une tension sexuelle intense. Alors, faites part de vos besoins sexuels et ne vous inquiétez guère du temps que prennent les préliminaires, une relation intime se passe à deux et le plaisir doit être partagé. 3. Le sexe est plus que le sexe pour lui. Le comportement des adolescents, leurs vantardises concernant leurs relations sexuelles et les films comiques actuels ont conduit à un malentendu vis-à-vis de l'intérêt des hommes pour le sexe. On pense parfois à tort qu'un homme ne cherche qu'à assouvir ses pulsions sexuelles sans s'inquiéter de sa partenaire et des conditions de la relation intime. Au contraire, la plupart des hommes adultes, à qui cette réputation porte préjudice, n'aspirent qu'à être émotionnellement connectés durant le rapport intime, même s'ils ont du mal à l'exprimer. Les hommes aiment les étreintes et les embrassades sensuelles, les jeux érotiques et les préliminaires, tout autant que les femmes, afin de savoir exactement ce que ressent votre homme, parlez-en avec lui et partagez ensemble vos désirs sexuels, car il peut avoir envie que vous le mordiez. L'érotisme humain comprend l'instinct de mordre. En effet, l'excitation sexuelle fait ressortir l'instinct animal. Chaque partenaire ressent alors le désir, jusque-là enfoui, de griffer ou de mordre son partenaire sensuellement, sans pour autant le blesser. Que vous ayez envie de mordre votre homme ou qu'il ait envie de vous mordre, il est nécessaire d'en parler avant de passer à l'acte afin de savoir jusqu'à quelle limite peut aller le rapport sexuel. Si cela ne correspond pas à vos attentes, d'autres pratiques sexuelles existent comme les jeux érotiques. 5. Il veut répondre à vos questions. N'hésitez pas à être curieuse et cherchez à connaître ce que votre compagnon apprécie au lit. Parfois, il est difficile de dire ouvertement ce que l'on souhaite ou préfère et le fait de répondre à des questions facilite l'échange. Si votre homme semble trop timide pour répondre, vous pouvez également lui demander de vous montrer. Et si jamais il ne sait pas réellement ce qu'il préfère, proposez-lui d'explorer son corps ensemble à l'aide de caresses sur différentes zones de son corps comme les mains, le ventre, le cou, etc. Soutenez en même temps son regard, en lui demandant s'il aime ce que vous faites. Let's block ADSY.